suis Armel Lecause, le cofondateur de Démocratie Ouverte, qui est un collectif qui regroupe un grand nombre d'innovateurs démocratiques, dont Acropolis fait partie d'ailleurs. Démocratie Ouverte porte un programme d'action qui s'appelle Territoire Hautement Citoyen, qui est un peu le laboratoire où on vient tester des choses, des outils, des méthodes avec les territoires. Elle doit être, ou elle est déjà vivante. Il y a de la convivialité, etc. Elle est ouverte, c'est transparent, on peut voir ce qui se passe. Elle est forcément collaborative dans une logique de partenariat où on fait les choses ensemble. En fait, je crois que c'est Isa Group. Isa Group, c'est un des acteurs. Comme ça, on a l'impression que c'est une espèce de gros groupe industriel et tout. En fait, c'est un acteur de l'économie sociale et solidaire, une entreprise qui est, je me rappelle même plus, à Aubigny, ils sont à Aubigny-sur-Nerre. Et Isa Group, c'est en gros, c'est de la réinsertion. C'est comme une entreprise comment ça s'appelle ? C'est comme une agence d'intérim, sauf qu'ils viennent dans ton entreprise te dire regarde, plutôt que d'embaucher un tel et un tel, tu as peut-être des ressources en interne qui sont capables de faire le boulot, et puis regarde, cette ressource-là est peut-être pas capable de le faire. Et donc, nous, on a des gens qui sont en réinsertion et qu'on peut mettre dans ton entreprise. Donc, ils font une espèce de diagnostic du territoire et en même temps, ils font un diagnostic individuel des gens sur leurs compétences au-delà de leur diplôme. J'ai été bricolé pendant un temps une maison et donc j'ai des compétences en maçonnerie et donc je peux mettre à disposition ces compétences même si j'ai pas un diplôme de quoi que ce soit. Et donc ils connaissent très bien les entreprises du territoire et les compétences et les ressources sur leur territoire et ils arrivent super bien à mettre en relation les deux et donc voilà. Et ça, moi, j'ai trouvé ça absolument génial parce que en termes d'engagement des citoyens notamment qui sont très éloignés des choses, la chose publique, ils travaillent aussi ce sujet-là.